de l'insémination et on va encager les reines vierges pour les inséminer aujourd'hui. Donc sur la cage, on met le numéro de la Mini Plus pour pouvoir ensuite venir les rechercher et pouvoir les remettre dans le nucléi sans se tromper de nucléi. Le nucléi, il a été préparé avec un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert pour avoir toujours des jeunes abeilles qui vont naître pendant que la reine vierge est là. Il y a un cadre de provision, le restant c'est un cire gaufrée. Je les ai mis sur 5 cadres pour avoir la possibilité de bouger les cadrons comme je veux et avoir l'espace pour travailler. Alors, on va essayer de trouver la reine vierge. Donc ça, c'est le porte-cupule où j'avais mis ma cellule royale. Sur le cadre de provision. À moins qu'elle soit dans le fond, peut-être. Oui, elle est au fond de la boîte. Donc. Ben voilà. Donc on va la placer dans la cage qui a le numéro de la Mini Plus. Voilà. Et là voilà. Je ne sais pas si on va la voir. La reine vierge. Donc qui est prête pour l'insémination. Aujourd'hui elle a 8 jours. Bon. On va replacer tous les cadrons. On voit qu'il y a encore du couvain qui doit naître. Donc ce sera les jeunes abeilles qui prendront en charge la future reine inséminée. Je ne sais pas si on va entendre quelque chose avec le chien, l'avion, ça fait beaucoup. Donc on replace la cage au milieu des deux cadres de couvain, et puis on la laisse comme ça jusqu'au moment de venir la chercher pour l'inséminer. Prélevé dans sa Mini Plus, on l'a encagée ce matin et donc elle est inséminée ce matin. On va la prélever. Hop. Donc on l'introduit dans le premier tube. Donc elle va reculer dans le second. Et c'est ce tube-là qu'on va installer sur l'appareil inséminé. Donc j'ouvre le CO2 pour qu'elle puisse dormir. Voilà. Donc là, la reine, elle dort. On va lui poser le premier crochet ventral. Et on va poser la pince pour attraper le dard. Voilà. Hop, donc le crochet ventral est posé, la pince à dard est posée aussi. Maintenant, il faut écarter pour voir l'orifice de la reine. Donc ça, je vous le mets en photo.
Et là, je suis en train de régler la position de mon capillaire bah, pour pouvoir inséminer ma reine. Voilà. Et il faut que je pose mon petit repère sur mon capillaire pour moi savoir la dose que j'introduis dans la reine. Donc là, il s'agit de 8 microlitres par reine. Donc c'est parti. Donc là, j'introduis le capillaire dans l'orifice de la reine. J'ai mon crochet ventral qui vient de sauter. Je vais le reposer, voilà. Et j'ai plus qu'à tourner la seringue. Pour injecter le sperme dans la spermathèque de la reine. Voilà, là c'est fait, j'ai plus qu'à tout relever. La reine est inséminée, donc là j'ai plus qu'à déposer mes crochets ventraux et la pince à dard. Et voilà, la reine est inséminée, donc je la laisse dormir 3 minutes sur l'appareil inséminé. Et une fois les 3 minutes passées, on va passer au marquage de la reine. En train de dormir, donc on va lui poser un point de colle et son dossard rouge pour la couleur rouge pour 2018. Voilà, donc c'est bon pour celle-ci. Je vais la reposer dans sa cage pour qu'elle se réveille tout doucement. Je la mets dans une boîte qui est chauffée, ça elle se réveille tout doucement. Bien au chaud, en attendant de rejoindre son nucléi une fois qu'elle sera réveillée. Je viens rechercher la reine qui a été inséminée et je la repasse de nouveau au CO2 pendant 3 minutes. Cette nouvelle narcose va en fait lui retirer l'instinct du rut. Elle n'aura plus envie de sortir de la ruchette. Et au bout de 3 minutes, on va voir que je les réintroduis sur un morceau de papier dans leur nucléi respectif. Alors je le fais le lendemain de l'insem parce que comme ça, si j'ai eu un problème avec un capillaire ou si j'ai blessé une reine, et ben généralement on la retrouve morte. Donc je sais déjà que l'erreur vient de moi et pas de l'acceptation du nucléi. Donc je préfère faire comme ça je vois si j'ai bien bossé la veille ou pas et peut-être corriger mes erreurs le lendemain pour les prochaines inséminées. 3 minutes sont passées, on va aller remettre les reines qui sont encore endormies là, comme on peut voir dans leur cage. On va aller les reposer dans leur nucléi. Les nucléi, les cages ont le numéro du nucléi. Donc là, j'ai préparé un petit hamac de papier pour pouvoir reposer la reine dessus sans qu'elle tombe dans le fond de la ruchette. Et les abeilles vont venir la voir tranquillement. Donc la reine est tout endormie, là, elle est en train de se réveiller. On commence à voir le bout de son abdomen qui bouge. Et j'ai pris mon assistante aujourd'hui. J'ai pris assistante Laure pour m'aider à narcoser les reines et à les réintroduire dans leur nucléi. Voilà. Donc là, c'était mes dernières reines inséminées de l'année. Donc celle-ci, pareil. La reine, elle est déposée sur un petit lit de papier et puis les abeilles vont venir s'en occuper. 8-10 jours après l'insémination de la reine, je vais contrôler sa ponte
Et donc si elle pond, donc je la laisse tranquille et je viendrai certainement la prélever dans un mois et demi, le temps qu'elle ait bien le temps de développer des phéromones et qu'elle soit bien acceptée si je la remets dans un autre essaim artificiel. Si jamais elle ne pond pas, je la regaze encore 3 minutes pour vraiment déclencher sa ponte. Et en principe, elles sont en ponte 2-3 jours, voire 4 jours après la nouvelle narcose.